bonsoir ou bonjour. Nous sommes à Salon de Provence. Je suis Marco et j'avais envie de vous faire une carte spéciale pour ce 1er mai 2006. Voilà, avec quelques évocations, plus peut-être sociologiques ou par rapport à la psychologie un peu plus historique, ou même éventuellement plus ou davantage philosophique. L'art, aujourd'hui, tel qu'on le conçoit, peut-être en Occident, demande peut-être à avoir sur son être un peu de net. Il est vrai que l'art et le spectacle sont peut-être trop flous aujourd'hui en Occident, hélas. Il est vrai que la limite entre la réalité et le monde du spectacle demande à être un peu plus précisée. Il est vrai que sur une scène de théâtre, dans un endroit théâtral, un espace réservé à la création entre guillemets, cela est différent du monde de la réalité. C'est peut-être simple à dire, mais c'est important aujourd'hui, lorsque la télévision ne fait plus de limite entre le spectacle et la réalité. Il est vrai qu'on peut voir un documentaire sur la guerre, et les jeunes d'aujourd'hui disent peut-être que c'est du spectacle. Aussi bien qu'on voit un film de guerre, et qu'on dit « Oh, c'est peut-être la réalité, et l'illusion, et l'imaginaire faisant le reste. » Il est important de faire une limite. La délimitation, éventuellement au théâtre, peut être la lumière. La lumière qui met en valeur ce qu'on souhaite approcher. Il est vrai que dans un art dansé, par exemple, technique de danse contemporaine Graham, la contraction et le release peuvent avoir une approche un peu théâtrale par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Le contract est plus une inspiration, tandis que le release, le relâcher, est peut-être plus une expiration, mais cela a une valeur de technicité, de technique, parce que le corps du danseur le nécessite. Lorsqu'on fait un relâcher, peut-être un Graham, c'est peut-être important de ne pas partir et de ne pas déstructurer son dos, entre guillemets, mais le tenir droit grâce à l'expiration, alors qu'on aurait l'impression que c'est une inspiration. Mais cela fait partie du monde de l'illusion, et le monde de l'illusion a ses devoirs techniques. Bon, l'important dans la technique, bien entendu, par rapport à l'inspiration, c'est d'être là une valeur sûre, d'être un refuge sûr, ou s'il manque un jour l'inspiration, trois fois hélas, il reste la technique et le spectacle peut continuer. Voilà, mais c'est vrai que le monde de la réalité et le monde du spectacle, il est important d'y mettre sur le flou, le net. En 2006, à Salon de Provence, à la campagne, voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue, c'est une bonne chose, c'est la fête du travail, donc on chôme. Comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute.
Et puis, pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.